scientifique, je suppose qu'ils sont habillés en blanc. J'en sais rien. D'accord. Oh, c'est... Bah si, ils sont habillés en blanc parce que là, il y a... Là, nous a dit les scientifiques, la pénétrie sont habillés en blanc. Ah bon, ouais. Pas entendu. Ça s'habille comme un blanc. Ouais, comme un blanc. Arrête-moi là. Je vais me pendre. D'autres. Arrête. Je rigole, je rigole. Je vais le faire. M'en fous, je vais le faire. On s'habille, putain. Déposé. Yeah. C'est pas. Je viens de perdre une étoile sur mon pied. Hubert. Hubert, bonne histoire de la patte. Tu m'entends? Je vais légèrement changer de trajectoire. Bon, moi, j'intégrerai pas à côté de toi, mais je serai pas très loin. Quoi, c'est la maison ou c'est le grand truc? Voilà. Bah, j'ai pas à regarder. Non, c'est la maison, c'est vraiment. J'ai pas à regarder. Ah ouais, petite maison qui est au nord. Bon, vas-y, Nat, tu descends et puis tu me tiens prêt et discret. Pas dans l'escalier. Mais la charme. J'en ai marre. Tenez la lupiote en haut. Le quartier s'est perdu. Carte. Je suis en train d'essayer de monter les escaliers, mais il fait très noir. C'est bon, c'est bon. Viens. Allez, viens. J'avais oublié que t'avais pas de lumière. Quoi, Christian? Quel truc noir? Je sais pas. Il doit être en haut, il est forcément quelque part. Là, t'es en position. Alors déjà, mettez votre gros minimum les gars. Juste comme ça déjà, j'annonce qu'à l'intérieur il y a des mecs menottés dans le dos, main dans le dos. C'est assez particulier, c'est pas, ils ont pas des tenues scientifiques, donc si ça a pas une arme et que ça vous tire pas dessus, vous tirez pas, ok? Quoi qu'il en soit, bah là on va dégommer tous les mecs qu'il y a dehors. Vous attendez mon top et puis on y va. La carte, oh bah tu pourras te tirer, tu bourrineras comme un cochon. Ça me va. Tu feras attention à toi. Et tu tires pas dans la maison par contre. Reçu. Donc jusqu'à preuve du contraire, vous ne tirez pas dans la maison pour l'instant, vous éliminez les cibles autour. On est prêt? Policier considéré comme hostile. Vous éliminez policier avec aussi. Hein. Ok, reçu. Allez, feu.
Zidrouenade en assaut, contact sur bâtiment. Moi je vous couvre. Le volume de voix. Voilà. Bon bordel. Donc ça va. Il a pas une arme le mec à l'étage là, attends. Le mec à gauche là. Un mec ouais, à la fenêtre là-bas. Je crois qu'il a une arme. Ah il a une paire de jumelles, je sais pas ce qu'il fait. Il vient de la poser. Il va sortir. Il descend. Attention, il y a du mouvement dans le bâtiment. Officier étage sur balcon, attention. Il a pas l'air armé. Bon, vous me la prenez cette maison, les gars? Vous me sortez tout le monde dehors, vous faites un périmètre et j'arrive. Venez les gars. Et Trune, tu guideras Black Art pour pas qu'il se viande. Vu que t'as une de. Oui. C'est bon, je te suis, je suis ton pseudo. C'est quand même plus sympa d'avoir une lumière devant. C'est sûr. Moi qui vais arriver en UAZ, ne vous inquiétez pas. Dis donc, tu profites du temps de repos là pour aller rechercher ton UAZ, puis tu vois. Mettre les deux zozo là. Territor et Delâtre, vous me suivez côté par lequel on est arrivé. Oui, c'est moi le chef. Bon, je vais faire rapide parce que je suppose que vous avez pas de temps à perdre et moi non plus. Non, j'ai pas le temps de arriver un peu tard. Il y a 2 heures, ils sont venus chercher le responsable scientifique et le responsable militaire. Moi, je suis le second, mais. Ouais. Ils les ont ramenés dans la base. Ouais. Je crois que ils sont en train de boucler les derniers préparatifs pour vider. Ok. Le chef, il est facile à reconnaître, il est comme moi, mais il a un béret rouge. D'accord.
Le chef quoi, le responsabilité, vous voulez dire? Oui, le responsabilité, oui. Mais bon, le responsable Euh, scientifique, il est en blanc, quoi, comme vous d'hab. savez où vous devez aller? Non. Un peu sévère. A l'air d'être bon. Je veux parler à votre manager. Faut dire que c'était des tirs de sommation. Il s'est rien passé. C'est-à-dire que si t'es assez con pour te prendre deux rafales de mitrailleuse et continuer à insister pour venir t'en prendre un autre. Putain, t'es fort. C'est Moscou qui nous envoie. On dit, on ah, vous êtes. Oui, d'accord, ok. Autant pour moi. Je les appelle. Ah, ouais. Okay, vous êtes voilà. L'unité. Voilà. Vous doutez bien que je peux pas non plus. Hein. Bon. Je vous accompagne. Hein. Très bien. Ah, ils ont l'air, j'ai dit. Allez-y, entrez. On va refermer. Sauf qu'HB, il nous laisse entrer un peu trop facilement. HB. Pourquoi HB? Parce qu'il y a la barrière. Parce qu'il y a une barrière. Ah! Eh voilà, moi j'essaie de faire des ah, blagues du pas coup. J'apprécie l'effort et Twin me l'a pas vraiment fait pas. Il a encore beaucoup à apprendre. Mais tu vas m'apprendre, beau glorieux. C'est pas qu'on va prendre à droite. Ok. Ça marche. On est pas passé loin d'un incident diplomatique. Elle descendait. Alors? On a tous perdu nos couleurs. Allô? Là-bas en fait. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. On s'est garé au bon endroit. Vous êtes l'unité qu'on doit héberger? Oui, c'est ça, oui. Très bien, bah vous êtes cantonné là. Oh putain. D'accord. Je vais loger au premier étage. Très bien. Premier étage ou voilà. on prend OK. Bah allez-y en avant. Sergent Nadovski, veuillez allouer des lits aux troupes. Très bien. Je vous déconseille de sortir de la base, on a été mis en état d'alerte pour des raisons. Par contre, vous faites attention, je crois que vous avez un cas d'ébriété sur la base. Oui, je vois ça, non mais je vais m'occuper de ça. Vous allez tous dormir par terre. Oui, bah écoutez, en même temps, les chefs dorment sur les gens ont envie de se bourrer la gueule. Je prends le lit superposé. Oui, bon, enfin, et que des lits superposés. Mais il y a des lits pour tout le monde. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas une colo ici, faut s'endurcir un peu. Mais pas, je suis très dur. Est-ce que je peux dormir au niveau du courant d'air, sinon ça me rappelle pas mon enfance? Ouais, tu peux. Un volontaire pour se lever toutes les demi-heures pour mettre des coups de pied aux soldats Terré et Torokov? Moi. Ah non, mais non, tu peux pas te mettre des coups de pied tout seul. Bon, les Comment enfants, bah si. Vous baisserez votre volume de voix, pas au minimum, mais quasiment. Et bah, on attend.
Ok, préparez-vous, ça va bientôt péter. Préparez-vous. Les ordres, c'est qu'on fait feu tout, tout ce qui n'est pas allié. Ok, bon, on se prépare à arroser ceux-là alors. Quoi ? On pourra arroser ceux qu'on voit depuis. Là. Oui, oui. On fera feu sur tout ce qu'on voit d'ici, et à partir de ce moment-là, une fois que ce sera fait, on descendra dans la cour. Oubliez pas qu'il y a des mecs derrière aussi, pour en voir sur les murs et tout. Ouais. Oubliez pas qu'il y a un char. Après ici, moi je peux... Ah oui, j'ai pas suivi alors. Ouais, Olivier, Blacko, vous vous occupez de ce côté-là. Ici, et Delattre et Blackheart, vous faites de ce côté-ci. Je peux tout arroser à la batteuse ici. Ouais, ouais. De quoi? Ça a bientôt pété, donc... Le qui est menotté là-bas, c'est quoi? VIP. C'est pas un ennemi, faites pas feu, on sait pas... C'est pas trop. De toute façon, quand c'est pas un danger, vous tirez pas. Restez caché hein, pour le moment. Je vous donnerai le top. Je crois que ça veut dire top. C'est le top. Évite ton pare-balles. Évite ton pare-balles. Évite son pare-balles. C'est ça. Non, c'est bon. C'est bon, elles sont cassées, non? Ok, vous pouvez passer en voie normale, on peut tuer tout le monde, les scientifiques. C'est allié en bas là? Allié ou ennemi ça? Bah oui, c'est allié. Allez, on descend tous, on rejoint les autres. Bah, ouvre! Non? On est enfermé? Attends. Bah, allez, c'est bon, on descend. Comme ça, on avait une latence de ouf quoi. Go! Olivier ? Faudra aller sécuriser le responsable du militaire du projet là qui est dans le bâtiment où j'étais tout à l'heure. Ok, bah. Avec mon écrit, mon... Ok, nous on reste ici pour surveiller le char. Ok, il y a un prisonnier là, au premier étage. C'est le responsable militaire. Bleu avec moi, tout de suite. Olivier. J'arrive, Capichet. Faut remettre ta couleur parce que. T'es confirmé? Ah ouais. Même le responsable? Faut que j'aille chercher des munitions sur le gars là-bas. Carte, tu m'entends? Ouais. Il faut que tu viennes avec nous. Ok, ça va, j'arrive. Y'a BMP les gars, Olivier! Oh.
Olivier, c'est à toi de jouer là. Parce que là-bas, j'ai vu qu'il y avait un gars qui avait RPG. Oui, non, peut-être. Attends. Pour info, il y a un tunnel assez lugubre ici, qui est à mon avis. Des réactions en chaîne. En face, dans les dortoirs. Oh, je suis chaud. On a pris une aussi. Retourne à l'intérieur. Y'en a un qui est à terre là, il est droit à terre. Je sais pas d'où ça vient. On va checker les problèmes, c'est bien. C'est une morphine. Oui. T'as bon chopé. La coque, tu retournes avec Olivier et vous terminez de sécuriser le bâtiment. Et vous, j'écoute. Négatif, on est bloqué après les. Je vais au niveau du char si vous avez moyen de me couvrir, la batteuse. Normalement, il n'y a plus personne près de toi, c'est vrai. Okay. On termine de sécuriser le bâtiment où on est, puis on passe à l'autre. Olivier, Black Oak. Là, t'en es où? Redescendez du bâtiment ici. Ok, dès que tu peux, tu viens à l'entrée de la grotte. Oui, tu le remènes avec toi. Et vous inquiétez pas, il y a probablement un blindé qui va bouger, ce sera allié. Imperator, va voir ailleurs là-bas. Va voir dans les autres. Je pose pas de charge sur le char, du coup. Il est où? Allez voir, il est où Black Oak? Je suis là. Ok, bah vous allez me voir les bâtiments là-bas, à l'entrée de la base. À côté des BMP, je serais bien venu avec vous, mais je boite. Du coup? Vas-y, viens. Par ici. Tiens, passe la grille là. Un peu trop dur. Matt, tu veux voir un truc flippant? Non. Ah, viens voir ça. Ok. De là, tu peux. De là, t'es où? De là. Tu aurais devant. Lui, je vais le laisser là. Dans un petit coin. Je réveille. Pedro? Ouais. C'est quoi tes ordres? Surveille l'entrée du tunnel là. Non, Zidrou, tu m'entends pas à la radio en fait. Ah, j'entends. J'ai dit, Zidrou, tu vas sur les bâtiments là-haut. Oui, mais c'est fait, c'est fait. Ils sont en train d'être joués. Oui. D'accord. Mais pourquoi tu y es pas? Bah parce que je boite et je me saoulais. Bah ouais, mais tu peux me le dire ça. Non mais les autres ils sont en train de sécuriser. Vous surveillez l'entrée là? Ouais, j'étais en train de le faire. Ouais, surveillez l'entrée, allume ta lampe torche. Donc j'ai Territor qui va... rester devant, avec un BMP. Je vais désigner. Non, il y a le T-72 hein. Non, déjà c'est pas un T-72 mais t'es pas un T-72 et y'a pas d'essence. C'est pas un T-72? Non! Y'a un mec armé qui se dirigeait vers moi. D'accord, ok.
Désolé, moi j'ai reçu des ordres. Par contre, Blackheart, y a sa jambe qui me bouche le champ de vision. Non, rien. D'accord. Voir les autres, vous restez là, surveillez la porte d'entrée. Hein. L'âtre ? Oui ? On va bien surveiller le tunnel, faut que je recharge. Ok. D'accord, c'est une vieille porte en mode pété qui protège le truc. Dehors avec, bah avec Olivier et Black du coup, les deux gars. Tu vas rester là-haut, voilà, tu surveilles un peu, t'as pas autant avec toi qui est dans un bon jeu. Tu te coordonnes avec lui, tu peux même le prendre avec toi dans ton équipe temporairement. Et moi je vais rentrer dans le truc juste avant, tu prends le responsable scientifique et tu mets dans le bunker blindé à droite, bien safe à droite de l'entrée. Okay. Responsable militaire. Et après, on y va. Et tiré, c'est ça? C'était un bruit de PKM. Bon allez les petits potes. On va y aller. Attends. Zidron ? Zidron ? Tu m'entends ? J'ai laissé un Nigla à côté de l'otage, donc si t'as un de tes gars qui veut récupérer un Nigla, autant qu'il le prenne, il est chargé. Allez, gang, là. La carte. Ouais. Les zozos. Attention. Une porte ouverte là-haut, en face, avec une meurtrière. Regarde où tu mets les pieds de l'autre. Marcher sur une dalle piégée, il y a des. Vas-y, avance de l'autre. Les chètes qui vont sortir des murs. Et où est Trune au fait? Oui, je vais tourner. Là, tu vas aller avec Delattre, moi je vais aller avec Blackheart à droite, ok? Blackheart? Derrière toi. Putain, il y a encore une autre entrée. Faut prendre une décision. Va à droite, moi je vais dehors. Ok.
RA. Regarde, c'est moi, tire pas. Putain. C'est toi ? Oui. Ça va ? Bah, je pouvais pas. T'as vu quoi, toi ? Bah, rien du tout, j'avais pas pu entrer, il fait tout noir. Y'a pas de lumière. T'as pas avancé depuis tout à l'heure, en fait ? Bah, non, je suis resté là. Ok, t'as une morphine, s'il te plaît, parce que j'en ai vraiment besoin. Ah, ouais, je t'écoute, Nad. Ah, non, j'en ai pas. J'ai une épi, mais. Alors écoute-moi Nad, écoute-moi, est-ce que t'as trouvé des caisses ? Ok, alors tout ce que tu peux extraire, tu l'extrais devant la sortie de la base, ok ? Et tu fais des allers-retours, moi je continue à nettoyer le bunker avec Blackheart. Dis Blackheart, viens. Putain, je t'ai perdu. Je suis là. Ok. Tu vois pas ma lumière ? Non. Ah bon, tu vois pas la lumière ? Bah un petit peu quand tu la pointes vers moi quoi mais Que du coup j'annonce je vais probablement mourir.
Ouais, j'ai pas de morph pour te... Attends, j'en ai trouvé. Je peux mettre un garrot. Si je me mets un garrot, je le garde tout le temps, c'est grave. Ouais. Bah si tu veux des bandages, j'en ai par contre. Non mais ça fait que de se rouvrir, mec. J'ai trouvé des caisses en fait. J'ai trouvé 3 caisses. Mais je me suis un peu perdu. Parce que... J'ai failli me perdre. Putain, t'as failli me buter. T'as des bandages sur toi ou pas? Oui. Attends. Bouge pas. Tu veux que je les mette dans mon sac? Ouais, si tu peux m'en filer au moins un tchak, ça m'arrangerait. Enfin, surtout des, au moins un ou deux hémostatiques si tu peux. Ouais, il me reste 3 hémostatiques, je les mets dans mon sac. Mais en un, je lui en mets un. Je les ai pas utilisés. J'ai fait en... Allez, suis-moi. Laisse la lumière allumée. Reste derrière Black Art comme ça. La double lumière. Bon, là-bas, tu viens de là ou pas? Ouais, non, je viens d'en face. Moi, j'ai été checker les... Tu viens d'en face? Ouais. Voilà, il y a 3 caisses là-dedans, donc on verra après. Ouais. Ok. C'est de là-bas que je viens, en fait. Moi, je suis pas allé encore. Nad, il est KO? Non, il est là. Pars-toi, Black! Couche-toi! Putain, et allez, j'ai repris une balle. Vas-y, viens, Black Art. C'est bon, j'ai eu. Fais juste gaffe derrière. Putain. Tu as mon bandage? J'en ai encore en rab. Je vais finir par mourir. Putain, là où t'es arrangé? Dis donc, c'est parce qu'on dort. Allez, on avance. Regardez, tu regardes derrière, Black. Ok, bon. Ouais, je t'écoute. Là-bas, c'est vers les caisses. Oh putain, okay. Vous avez pas un truc pour marquer? Non, bon, tant pis. Ah, j'ai pas de bombe de peinture. Passe. Bah, c'est immense. Venez. Oui, je t'entends. Oui, je t'entends, Nad. Allô? C'est quoi cet endroit? Nad? Ah mais d'accord, mais non, en fait, je peux même plus avancer et parler en même temps sur la radio. Soignez-moi, je vais tomber dans le coma. Là, je te couvre. T'es sur son torse là? Ouais, je mets un nouveau statique. C'est bon. Grande invulsion. Moyenne plaie. Tu m'entends là, Nad? Ok, c'est reçu. Bah écoute, je sais pas, parce que là c'est un peu chaotique, là, le complexe est gigantesque. J'ai localisé 3 caisses mais je peux pas les porter maintenant. Bah en fait j'aurais pu, je suis complètement con. Mais moi je dois ressortir pour me faire soigner parce que sinon je vais pas avoir le reste. Vous rappellerez à peu près où sont les caisses Black Art et Black Oak? Ouais. Bah écoute, on cherche. Non mais vaguement de toute façon. Non mais vaguement ouais, de toute façon. Je suis tombé dessus par hasard en venant moi, en fait. Non mais moi je sais où c'est, enfin. Je sais où j'ai retrouvé Hera, donc il suffit de suivre le tunnel et puis ça. Bon. Zidron, est-ce que qui a étrune dans le secteur là? Bah. C'est un bot. En face là-bas, le complexe là-bas, j'y suis pas allé. Black Oak et la carte, du coup, vous allez aller là-bas, ok? Mm-hmm. Vous faites la suite. Moi, je sors, je reviens, ok? Ok. Ok. J'ai l'impression, ouais. Attends, j'en charge. T'as prépare-toi à arroser parce que j'ouvre et je recule direct. Hein. Ok. C'est barré à droite.
Attends, je touchais. Il est à droite. Je me soigne. Bon. Putain de bordel de merde. C'est quoi ça? Oh, on a trouvé des missiles là. C'est bon. Ah. Lumière. S'il te plaît. On fait quoi? On continue? On attend les rats là. On va peut-être rendre compte de ce qu'on a trouvé. Ouais. On ressort et puis... Ouais, ça sera vraiment prudent de ressortir, je pense qu'il faut bloquer l'entrée ici. Au pire, j'y vais et je reviens. Ça va. Ouais, j'ai trouvé de l'âtre et du coup il le transmet. Ok. On continue? Bah écoute, j'ai pas vu Hera, mais il était parti soigner à Perpète avec Nad donc. Ok, écoute, je te laisse passer devant avec la lumière. T'es nerveux par tomber sur quelque chose de toute façon. Gauche ou droite? Wow, wow, à droite. J'ai eu. Charge. C'est quoi, on poursuit dans cette direction ou... Ah, je suppose, il vient de là-bas. Quoi, c'est une sortie ça? J'ai l'impression, ouais. Ah non. C'est un... puis... C'est un complexe, je vois des véhicules. Oh bordel de merde. Il y a des mecs au sol. Il y a plein de monde, je crois. Je me soigne. T'es encore là? Ouais, je suis derrière toi. On a des lanceurs tactiques ici. Il doit y en avoir un derrière le véhicule. Traité. Ok, nice. Oh, ça continue là-bas encore. C'est gigantesque.
Je suis au niveau des véhicules là. Attention derrière toi. La coque. Ouais, derrière moi. Je crois, ouais. Je crois que c'est des deux côtés en fait. Hein. Fais gaffe derrière aussi. Hein. J'ai l'impression que c'est nous derrière aussi. Et merde. Parce que derrière aussi, hein, y a, ça continue. Attends, je me soigne parce que j'ai pris tarif dans le bras gauche. Je pense qu'on fait la jonction avec quelque chose par là. Parce que là-bas, je vois du rouge là. Ouais, y a une entrée, mais je sais pas si c'est sécurisé. Ah ah. Là. Là aussi ça sort là. Là ça doit être l'entrée principale, non? Je sais pas, peut-être. On ouvre, on va voir. Comment on sera fixé. C'est bon, si on peut passer par ici pour rentrer. Un hélico. Putain, mais c'est une base dans une base, bordel. Attends, je resseille. Je vais essayer de loot les cadavres pour trouver du stuff médical. J'en ai un peu du stuff encore, sinon. Va falloir qu'on fasse marche arrière. Hein. Faut aller chercher des munitions et. Je vais essayer de faire soigner. On va juste faire le coin là, et puis on fait mi-tour. J'ai eu un lag. Je crois qu'on arrive sur la fin là de toute façon. Je vais regarder le bâtiment. Mais tire-lui dessus! Putain, il me lance une grenade à la gueule, défonce-le! Y'a des. Non, j'ai essayé de le capturer, mais il a pas voulu coopérer. Et bunker là, y'a des trucs marqués radioactifs dessus, enfin biohazard. Enfin, pas radioactif, mais. J'ai pas fini ce bâtiment là. Chimique. Quand j'arrive au cours de Bastos. Nettoyer en bas. Nettoyer. Pas de documents, rien. Je sais pas, j'ai pas vraiment regardé. J'ai buté 3 pilotes pour le coup. Ouais, non, je vois rien. J'ai envie d'aller voir un truc avec toi avant qu'on fasse demi-tour. Y'a un truc au fond là, je sais pas ce que c'est. Ouais, je vois.
Tu vois, il y a le truc du hasard là sur le... Il y a peut-être des caisses dedans, mais j'ai pas trop envie d'ouvrir en fait. J'ose pas. Elle n'a pas de masque. Putain, mais ça, si ça c'est radioactif. Continue. On fait demi-tour. Faut que j'aille rechercher des munitions de toute façon. Ouais. Ouais, et puis on n'a pas rendu compte de ce qu'on faisait, donc ça se trouve, ils nous cherchent quoi. Ah, vas-y, viens, demi-tour. Attends, je saigne un peu. Je mets même petite bande. Oh, bah il est énorme ce complexe quoi. C'est un truc de ouf. Ouais, j'avais vu ça. Hop. Tu sais, HRP, que c'est Cardo qui l'a fait à la main. Putain, mais il a dû trop se faire chier quoi. Non, mais ça rend trop bien en vrai. Au début, on me dit bah, va rejoindre les gars dans le complexe et je redois le bordel. Je me suis dit, quoi ce délire. J'ai jamais la retrouvé quoi. Bon, les pilotes sont morts en tout cas, donc les hélicos décolleront pas. Ah ouais, déjà. Putain, non, mais le truc de ouf quoi. Allo? Hera? Oui, je suis là. C'est la Moria. On est là. Ah ouais, d'accord. Nous, c'est pas du tout ça. Ah non, mais il y en a pas de Hera, on a sécurisé la droite. Ça donne sur un truc ouvert avec des hélicoptères. Ouais. Il y a encore un passage qui continue au fond. Il y a deux bunkers avec marqué avec des étiquettes biohazard sur les portes. Donc je sais pas trop si. Donc on peut partir en hélicoptère? Ouais. Ils marchent les hélicos ou pas? J'ai pas vérifié, non, on a buté les pilotes. Vous avez trouvé des caisses ou pas? Des caisses blanches? Non, peut-être dans le truc du hasard, mais on n'a pas osé ouvrir. Bon, tu veux qu'on sorte ça, bordel? Par contre, on n'a pas été par là-bas. Hein. Ouais, on sait pas ce qu'il y a à gauche. Mais faut que je reparte en arrière, j'ai plus de munitions. Nad et Delattre, allez là-bas. Allez voir au fond là-haut, ok? Ok. Comment ça, faut que tu repartes? J'ai plus de munitions là, il faut que j'aille rechercher. Ah bah tant pis, ramasse un truc là-bas, on s'en fout là. Ok, d'accord, ça là-bas, va. Là-bas, il y a une batteuse si tu veux. Viens, on va trouver des trucs. Il y en a une là. Hein. Je vais juste aller voir là-bas parce que. Et là, vous avez été là? Ouais, tout ça c'est traité, sécurisé. Ouais, c'est... Vous avez vu ce non. Non, on n'a pas vu ça, mais à mon avis, on n'est pas censé le voir, je pense que c'est un problème de texture. Oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu vois, je t'avais dit que c'était pas sécurisé à gauche. Ok, tu te rappelles le couloir que je t'avais montré près de l'entrée où si je vous ai dit vous alliez tout droit, vous alliez trouver des caisses? Essayez d'aller là-bas récupérer les caisses et tu les amènes ici là, dans le grand truc où il y a les hélicos, ok? T'as tué tout le monde ici? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une ouverture quelque part? Si. Là-bas, il y a un truc là-haut. Si, oui. Y a... Fond là-bas, et encore, ça continue. Vas-y, on va aller voir. Putain. Tu veux qu'on vérifie ça ou pas? Ouais, vas-y, ça s'ouvre. Ouais, mais c'est le hasard. Ah. Oui, bah écoute, de toute façon, on doit bien mourir de quelque chose. Vas-y, ouvre. J'ai pas d'interaction. Je pense pas qu'on puisse alors. On peut pas, on se parle. Ah, ça s'ouvre pas. Ok. Attends, je check les hélicos. Et du coup, comment on... Enfin, je sais pas. Comment ils ont fait pour rentrer les missiles du coup? Hélicoptère en état. C'est tout? Allô? Vous êtes là? Rec là. Pardon. Oh putain, je vous avais perdu. Blackheart et Rec, vous allez à gauche. Blackheart, tu vas. Ok. Je vais se passer dedans parce que tu es une lampe torche. Ça marche. Gaffe. Attention à droite. Oh! Oh putain! Ah, mais c'est ennemi! Oui. Il y a quelqu'un, je crois. Suis-moi. Attendez les gars. Attendez. Quoi? Oh, vous tirez sur des potes. Hein? Ah bah?
Comment ça, des potes? Pas de potes ici. Je suis dans le complexe là. Caisse. Une caisse, ouais. Le pote est venu. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Deux caisses. Bon, c'est bon. Oui, je sais, c'est les caisses de tout à l'heure. Trois caisses. Ok. Eh ben, tu dis à Teretov, de prendre la relève de Zidon. Si on est déjà venu, non? On peut prendre les caisses et les amener aux hélicos par contre. Ouais, vas-y. Nad, tu me reçois? Nad, est-ce que tu me reçois? Prenez chacun une caisse, les gars. J'ai récupéré les caisses que je cherchais. Donc, tu peux retourner à l'endroit où il y avait les grands missiles et tout là, ok? Ça marche? Ouais, c'est pas ça, vas-y. Ça marche? Y'a quoi dans ces caisses? Ami ou pas? Ami? Aïe! Putain, Blacko, que. Ah, pardon. Era? D'où Era? Je suis là, tu m'entends pas? Je suis allé tout droit et je suis arrivé là. Ah, bah, je sais. Tu m'entends ou pas sur la radio? Oui, je t'entends m'appeler, je t'ai dit quoi, tu m'as pas répondu. Parle-moi à la radio. Oui, allô? Ah, si, le mec. Allez-y, les gars, en avant. Ah, attends, y'a Blacko qui m'a foutu un coup de caisse. Ah, putain, l'épée bon. Vous le savez pourtant. Sors sur le pass. Je vois rien. J'étais censé arriver là ou pas du tout? Oui, oui, t'étais censé là, vas-y. Prochaine à droite, Blacko. Mais nous, on a encore une partie à fouiller avec de l'âtre, on était pas jusqu'au bout tout à l'heure. Ouais. J'ai pris à droite. Hein. Ouais, ouais, c'est bon, continue. Je ne vois strictement rien de ce que je fais. Pas grave, c'est le tunnel. Si vraiment c'est trop la merde, tu rentres dans le complexe et tu nous cherches. C'est bon, truc. Je vois. Tu m'as entendu là sur la radio, Nan? Oui, oui. On charge en quel? Aucun des deux, tu le mets à côté. Ok. Tu le mets à côté, vous me suivez. Dépêchez-vous, allez. Okay. On s'en fout là, on n'est pas là pour faire de l'inventaire. T'as fouillé la tour, rez-de-chaussée, les étages? Ouais, c'est bon. Oui. Ouais. Vous me prenez chacun un lanceur. Ok. Ouais. Vous okay. Les emmenez à côté des hélicos. Ouais. Tu sais qui peut conduire là. Les emmenez à côté des hélicos. Et tu veux garder les hélicos, les caisses et les lanceurs. Ok. Okay. Ok. Moi je vais faire un tour et je vais essayer de trouver les autres caisses. Les autres avec moi. Sachant que. Ah ouais. Elle est comment cette mission, ça va? Pas trop dur. Putain, c'est un cauchemar ce complexe. Ouais. C'est un vrai labyrinthe.
Je vais mettre ma PK dans un des hélicos, j'ai plus de munitions. Ok, ça va. Il y a une PKM de là où on vient, il me semble, j'ai vu. Si jamais. C'est un cadavre. Ah, les munitions sont peut-être compatibles alors. Ouais. Je vais ouvrir. Ouais. Suite gauche. Nice. Oh, le pied. Allô? Je vous entendais laguer de ouf en fait. C'est... Pas non. Il en manque plus qu'une donc. Ouais, non, mais on l'a. On l'a, elle est là-bas. Okay. Faut qu'on retourne la chercher. Il y a 4 espaces par hélicoptère donc je pense que vous pouvez... je pense qu'il faudra 2 hélicos pour partir. On va aller la chercher. Du coup, faut qu'on... De quoi? J'y allais la chercher alors. Ouais, bah, de toute façon, y a... c'est sécurisé. Hein. C'est bon, je suis refait. Plein d'alcool. Parce qu'il y a les alliés qui peuvent arriver de par là? Oui. Ok. Devant ça a l'air canardé de ouf depuis tout à l'heure. Enfin depuis le début de la mission, nous on est entré dans le complexe et dehors ça arrêtait pas de canarder. C'est les Russes qui nous attaquent. C'est Russes contre Russes. Ouais. Sauf que nous on est là pour récupérer du matos, du matos pour le général Orlov. Vous avez vu des scientifiques ou pas? On les a sauvés. Non mais si, on les a vraiment sauvés. Hein. Ouais, d'accord. Ils sont sur un point d'évacuation sur l'aérodrome au nord-est. Ah. Ils nous attendent là-bas. On ira les récupérer après. À coup d'hélico, du coup, je suppose. J'ai vu qu'il y avait un problème de spawn aussi. Ah bon? Ouais, j'ai spawné sur le toit. Bah oui, c'est normal, le truc il est juste en dessous. Ouais, ouais, ça je peux le régler ça. Non, mais c'est pas grave. J'ai vu un balrog. Ah bon? Ah bon? On revient de la Moria, c'est pour ça. Si c'était que la Moria. Ça va, Ralorn et tout là? Je sais pas. D'accord. Voilà pour consigne de protéger les hélicos. Oui. Ah ouais. Je suppose qu'il y en a deux qui surveillent chaque entrée. C'est bon. Ouais, bon, on va aller là-bas. Ouais, bah, jouer ça avec de la surveiller l'autre, hein, et puis nous on surveille l'entrée là. Tu veux une place? Ouais.
Voilà, c'est bon, j'ai ma place. Ok. Je fais des signaux. C'est des lanceurs nucléaires. Probable. Juste des balistiques, je pense. Mais avec des trucs pas gentils dedans. Par contre, il y en a un qui passe cette porte, il y a intérêt à s'annoncer, hein, parce que... J'avoue. Ça commence à se replier. J'ai le petit freeze moi. Non mais il y a pas... non mais il y a pas mal de bugs à l'intérieur. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Pas ah, ici. Il est où? Aucune idée. Là va mourir, moi aussi. Alors on peut vous stabiliser à coup de... Vous avez pas du... Ouais mais on a... j'ai plus rien moi, j'ai plus rien. Ah, bah, on en a... On va sortir là. Descendre des véhicules. Et là, je me suis fait tirer premier shot que j'ai pris dans la jambe. Il est là. Attends, je m'occupe de Nad. Si quelqu'un peut me filer des... toi. Ok. Je pose des carreaux. Par contre le médecin, je croyais qu'il était avec vous dehors pour le coup. Bon, j'ai demandé à radio. J'ai demandé à radio médecin pour Nad et on a fait ah tu peux te brosser sur ce coup. J'ai essayé de le stabiliser un max, mais... Si vous avez des carreaux, vite, venez. Non, c'est bon, c'est bon. Dis donc, t'as ok. Après, j'ai pas... J'ai une morphe à te filer, si tu veux. Comment ça va? Il y a son bras droit, qui a... Il y a un carreau dessus, faut le soigner. Je l'enlève? Tu peux l'enlever, ouais. Je fous une compresse. Ok, c'est bon, il est stable. Il est un peu rapide. Ouais. Ah mais sa tension est basse, on peut pas mettre de mort. C'est quoi cet endroit? Bah le complexe. Ouais. Ouais je sais pas, moi je suis pas rentré dedans. Non mais il est énorme le complexe, ça fait une heure qu'on crapule dedans. Bah, moi en fait, je suis mort parce que j'ai pris un shrapnel et en fait je me suis vidé de mon sang mais à 2 mètres d'Olivier Territor, tu vois. Et y en a aucun qui s'est dit, oh, c'est bizarre, il est parti depuis longtemps dis donc. Bon bah Nad, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vais lui mettre une morphine pour baisser un peu son pouls, mais il faut la solution saline. Ouais, faut mettre ça quoi. Attends, j'avais pas une morphine moi. Ça, je m'en occupe. Ah non, j'en ai lui en mettre une, hein. J'en mets une. Vas-y. Peut-être que ça va ira, mais j'ai un doute. Parce qu'il est en très mauvais état. Ça reviendra pas. Mais au moins son pouls baissera un peu. Vous surveillez quoi là en fait? L'entrée là-bas, tu vois, celle-là. On a toutes les caisses qui sont là en fait. Près des édifices. On va tout faire péter ici? Non, on se barre avec. Ah. Ok, son pouls est revenu à la normale. Zidro, je crois qu'il y en a des... Kaira qui t'appelle. Ah bon? À la radio. Non. Tu l'entends? Mais t'as quoi comme radio? Déjà, t'es pas censé avoir une radio, je crois.
Ah ouais, ah, je savais pas. Je... Pas de problème, pas de problème. Ah, y'a de ces bugs de lumière, c'est chaud. Allo? Ouais, oui. Oui. Il est où Nad? Là, ici. À tes pieds. Ouais. Viens ici, Nad a soigné. Bon, j'ai condamné l'entrée, donc il n'y a plus qu'une sortie pour nous. Par ici. Le fait est qu'on doit récupérer des. On doit récupérer des trucs. C'est pas moi, Nad, en fait, il est à tes pieds, tu marches. Il y a eu un set médical. Ouh, pardon. Je sais pas comment je vais faire pour partir, ça va être avec les lanceurs. Ah, on doit partir avec les lanceurs. C'est un peu mort, un chef. On nous a dit de récupérer les caisses et les armements, donc. Et on a un UAZ. On peut pas les héliporter. Non, on peut pas, c'est trop lourd. Qui sait piloter un hélicoptère? Bon, à moi. De l'âtre. Oui. Viens ici. Oui. Là. Vous allez là-haut. Besoin de réparer le. Ah non. Oui. Tu vas piloter un des deux hélicos. Ouais. Donc Blackheart t'en prendras un avec les trois caisses. De là tu prendras l'autre avec les trois caisses. Votre mission ça va être de voler de la zone là. Vous avez une carte ou pas? Ouais. Et il faudra aller sur l'aéroport là-haut de Fassberg. Vous voyez où c'est? Ouais. Ok, c'est noté. Par contre vous allez pas mal tourner autour, vous allez pas vous poser tout de suite parce que moi je vais partir avec les véhicules. Et va falloir que. Vous attendez que j'arrive jusque là-haut, hein, vous voyez okay. Ce que je veux dire? Ouais, ça va. Donc Oh, sensationnel, donc, voilà. Enfin on vole autour quoi. Pour couvrir le convoi, on a un BTR au niveau de l'entrée, toujours opérationnel avec des non, munitions. Non, je peux pas, là, l'entrée est condamnée là, donc c'est foutu. Et vous faites comment pour sortir? Oui, tu passes par où quoi. Il y a une autre sortie en fait pour les véhicules. Ok. Il y a une grande porte d'entrée si tu veux. Ça d'ailleurs, va. Tu l'as nettoyé Zidro, c'est clean? Oui. Ok. Bon, on va mettre les BTR, enfin les lanceurs en marge de convoi, vous me suivez et puis voilà. L'expo, okay. Je sais pas à quelle façon, distance il va encore Blackheart, aller. Je te suis quand tu poses quoi mon expo que j'ai placé. Dessus, tu vois. De toute façon, on va déjà charger les caisses et puis. Ouais. Faites gaffe en décollant, la falaise elle se rétrécit. Ouais. Oui. Donne une de tes radios à Blackheart. Bah, j'en ai qu'une, moi, de radio. Oui, bah donne ta radio à Blackheart. Je peux donner la mienne. Blackheart. Ouais. Attends, il faut que je te filme ma radio. Okay. Dis-lui de venir, tu vas pas courir là-bas avec ta patte folle. Blackheart, viens. Viens jusqu'ici. J'arrive. Si les caisses vous pouvez pas les remplir, vous envoyez un message à qui je te donne ma radio, hop, je la mets au sol. C'est bon, j'ai. Donc Blackheart. Ouais. Je te donnerai le feu vert du décollage, tu décolleras en même temps avec Blackheart. Ok. Ouais, ça va. Et tu me prends le responsable. Ouais, le VIP, tu me le prends avec aussi, ok? Ça va. Etrune. Ouais. Tu mets Nad dans l'UAZ et tu montes avec Zidro, tu prends l'UAZ. Territor, okay, tu prends le lanceur balistique qui est là-haut derrière l'hélico, tu me suis. Rek, tu vas avec Territor et Olivier, tu viens avec moi. Oui. Et si tu peux aussi faire l'agent parce que je pense que je peux. Ok, je regarde. De toute façon, il est stable. Le moteur de ton machin. Je sais pas. Pour l'embarquer, là, tu le prends avec toi? Ok, je le prends. Ah, est-ce qu'il y a par que moi qui fais, mais quand les trucs sont en route, il y a une méga chute de FPS? Non, ça m'a le fait aussi. Disais, j'ai pas pu mettre la dernière caisse. Ouais, moi non plus. On va au moins les regrouper là-bas et puis on verra après. C'est considéré comme embarqué, j'ai vu avec Caradoc. Ok, c'est.
KRA, on n'est pas rien décollé. Attends, stop. Attends, avance avec le lanceur. Le aux autres, à l'autre, s'il te plaît. Là, tu rejoindras les autres dans le dos. En fait tu resteras avec moi au niveau des lanceurs. Bien pris. Juste parce qu'on va les piéger. La carte, tu peux y aller avec de l'âtre. Ok, c'est perçu. De l'âtre, on y va.